revoilà pour une ouverture de cadeaux. Donc on est le 8. Et je vais essayer de chercher dans mon colis le numéro 8. Alors, le 18, le 17. Nanana. Il y en a un que j'ai hâte d'ouvrir parce qu'il est très très lourd et il me paraît super cool. Donc, j'ai hâte. Mais on va être patiente quand même. Faut pas exagérer non plus. Ah, un anonyme. Ah non, je pense que c'est ça en fait qui va avec. Je vais tout remettre dedans. Voilà pour demain. Voilà. Alors, donc il y a écrit « Vois la vie en rose ». Moi, vu le paquet, je dirais peut-être un petit rouge à lèvres. Puis vous, oui, vie en rose. C'est cohérent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh! Ah non! Ça, c'est pour des yeux de biche, à mon avis. Est-ce que j'ai tout gardé justement à côté, parce que comme je vous l'ai dit, un smoky... Donc, floute, l'œil de biche, c'est pas sur le bon paquet. Ah, bon, on va faire un switch, hein. Je pense que c'était le 17, les yeux de biche, hein, mascara de You Are Cosmetics, je pense, j'imagine. Ah non, PL, il y a écrit, je vais ouvrir. Alors, c'est un volume renforce et nourrit. Et c'est un mascara, je pense, noir. Bon, Emma, je m'excuse, hein, je fais un carnage. Donc, c'est mon mascara soin volume. Et il y a écrit PL. Donc, c'est pas You Are, je pense pas. Je connais pas du tout, en tout cas. Mais j'en suis très contente. Je vais voir la brosse. C'est une grosse brosse comme ça. Moi, j'aime bien les grosses brosses comme ça. J'ai pas l'habitude d'aussi grosses brosses, mais en tout cas les petits poils comme ça, moi j'aime bien. Je préfère que les picots, je trouve ça fait mal. Donc je suis très contente. Merci beaucoup Maëma. Je m'excuse encore du désordre que je t'ai fait dans tes cadeaux, parce que là je t'ai fait nawak quoi. C'est nawak. J'ai ouvert ça un peu dans tous les sens. Je suis désolée, mais en tout cas tu me gâtes de dingue. Je suis ravie. Tu me fais découvrir des produits. Parce que là, en l'occurrence, le mascara, je ne connais pas du tout. Le démaquillant, je ne connaissais pas du tout. La brume pour le corps, parce que je pense que c'est une brume pour... Enfin, on peut dire ça, brume pour le corps, qui sent divinement bon. Mais je suis super contente. Moi, à côté de ça, j'ai l'impression de t'avoir fait des vilains cadeaux. Alors que je les ai fait quand même avec tout mon cœur. Mais j'espère que ça te plaira. Moi, je trouve que chaque cadeau, je trouvais qu'il te ressemblait. Il y avait quelque chose qui... voilà, qui ça me parlait pour toi, qui me disait ça c'est Emma. Voilà, chaque cadeau, il y avait vraiment un sens pour toi. Voilà, donc merci encore et on se dit à demain. Et donc demain, on va ouvrir le 9. Voilà, bye bye.